Donc à ce moment-là, on laisse les écailles indispensables. Ça va permettre de protéger les chairs de la cuisson et de faire en fait comme une croûte de sel, même résultat, mais sans emploi de sel. Donc à ce moment-là, je reprends ma grille et je vais prendre le papier que j'avais réservé tout à l'heure. Là, je vais le plier en deux pour qu'il se mette bien sur la grille. Hop, je replie un peu ici. Faut pas à ce moment-là fermer. Il y a beaucoup de gens qui nous disent mettre, faire des papillotes. Moi, ce que je vous conseille, c'est de laisser. L'intérêt de ce papier, c'est qu'il va bien sécher. Il va permettre aux écailles de bien croûter. Et c'est ça qui est important pour la basse température. C'est pour ça qu'en fait la chaleur tournante est idéale parce qu'elle fait une ventilation supplémentaire et on vous conseille voilà, de garder ça comme ça. Un petit brin de romarin dans le ventre pour parfumer la chair. Vous pouvez mettre des rondelles de citron, un peu d'ail. Ça sert à rien de mettre du sel, du poivre, de l'huile d'olive à ce moment-là parce que ça va pas rentrer dans la chair. Il y a les écailles encore. Et donc là, vous n'aurez pas grand-chose à faire avec ça. Et là, votre poisson est prêt. Vous n'avez plus qu'à le passer au four à 100 degrés à basse température. Départ four froid. Vous laissez une quarantaine de minutes. Gros intérêt de cette recette, c'est que vous ne pouvez pas la rater. Si vous laissez 5 minutes, 10 minutes de trop, ça va un petit peu sécher, mais ça ne va pas du tout être trop cuit. Ça va rester tranquillement à cuire. Donc le temps de l'apéro et c'est prêt. Bon appétit!